Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une intro comme celle-là. Ah, vous voyez, l'intro est... Et en plus, cette introvision qui dure 15 secondes peut se faire en 2 minutes. Là, vous dites sûrement... Oh, comment on fait tout? Alors, je vais vous montrer comment faire. Alors, vous allez dans la barre, vous faites. Ça, je vous mettrai dans la description, hein. Alors, vous allez vous créer un compte. Vous faites register, vous remplissez tout. Mais moi, je vais me connecter comme ça. Alors, je vais vous montrer comment faire. J'ai pas vu beaucoup de tutos sur ce truc, sur sur ce site. Alors là, vous voyez 30 euros, 3 euros, tout ça. Vous dites, mais ça coûte super cher, je vais pas pouvoir acheter ça. Alors, ça va vous mettre sur Automate. Template. Si vous êtes dans Home, vous cliquez sur ça. Ça va vous mettre des trucs payants. Après, vous sélectionnez Free Template. Et voilà. Ça va vous mettre les trucs gratuits. Alors, par exemple, vous pouvez. Il y a ça. Il y a plein de trucs. Ah, vous voyez, il y a plein de choses. Celle-là. Celle-là. Il y a plein de trucs. Alors, je vais vous montrer comment faire la même que moi. Alors, vous sélectionnez celle-là. Chaîne réaction. Non, c'est pas celle-là, la mienne. C'est celle-là. Alors, vous faites customise. Vous faites j'accepte les conditions. Ne vous inquiétez pas, je l'ai lu. Il n'y a pas de truc illégal. Alors vous sélectionnez votre photo là et vous faites ouvrir. Ça va vous mettre la photo. Vous faites apply. Désolé pour mon français et pour mon anglais. Voilà, ça a été mis. Là, vous réglez, hein. Alors, voilà. Tac, c'est bon. Alors, voilà. On a tout réglé. Alors, maintenant, je vais vous montrer. Par exemple, salut à tous. Abonnez-vous. Là, YouTube. Je mets n'importe quoi là. Pouce vert. Vous faites SubTick. Après, vous allez faire Yes. Tac. Ah non. Je vous ai fait un petit fail. Alors, vous sélectionnez votre photo et vous allez la mettre là. Et vous faites SubTick Yes. Et après, ça va vous créer votre vidéo. Après, ça va vous remettre sur le truc. Vous faites My Input. Là, ça va prendre 1 à 2 minutes à charger. Voilà les intros que j'ai déjà créées, hein, pour vous montrer. Ah, vous voyez, ça marche très bien. Et je les ai tous faits avec ce site internet. Voilà, elle a chargé. Alors maintenant, on va voir ce que c'est. Ce que ça donne. Là, ça va marquer n'importe quoi. Est-ce que j'ai mis n'importe quoi? Vous voyez. Pouce vert.
Ça marche très bien. Regardez, abonnez-vous. On avait écrit abonnez-vous. YouTube. Et voilà. Après, vous le sélectionnez, vous faites download SP. Ça va vous la télécharger. Et après, ça sera fini. J'ai bugué. Ça vous la télécharge et ça marche. Ça bugué, hein, c'est pas grave. On revient en arrière. Plus. Alors, il y a eu un gros bug. Alors voilà, vous faites download XP et après je vais vous montrer comment la mettre sur vos vidéos. Alors, il faudra télécharger Movie Marker. Ça, je vais pas vous mettre le lien. Vous avez qu'à chercher sur internet et c'est très facile. Alors voilà, vous allez sélectionner et vous allez le mettre sur votre bureau. Vous prenez, tac. Ça va vous le mettre et là je prends une autre vidéo et voilà, ça charge et après regardez le travail. Là ça fait celle-là, mais voilà, je pense que vous voyez, ça marche. Vous voyez, ça marche. Alors maintenant, je vais vous expliquer comment le faire. Ce n'est pas tout ça, mais je vous ai montré, mais je vous ai pas expliqué. Alors, vous faites ajouter des vidéos. Vous sélectionnez. Je vais prendre intro. Chercher intro. Vous sélectionnez ça. Vous faites ouvrir. Ça va vous le mettre là. Après, vous refaites ça. Et vous sélectionnez votre vidéo. Mise. C'est pas grave. Vous prenez sur votre bureau, vous le mettez. Et voilà. Ça marche. Alors, voilà. Ça marche très bien. Et après, je vous montrerai comment l'enregistrer. Vous faites enregistrer le projet. Vous l'appelez comme vous voulez. Ça va vous faire un fichier. Ça va vous faire le fichier. Vous faites enregistrer le film. Et là, vous sélectionnez par exemple Android. Vous sélectionnez ce que vous voulez. Et c'est bon. Alors, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, mettez un petit j'aime et abonnez-vous.